L'histoire commence quand on travaillait à Paris dans une entreprise qu'on avait créée avec mon ami Xavier. Et puis, comme ce n'était pas raccord avec les valeurs et le sens qu'on voulait donner à notre vie, on a décidé de vendre l'entreprise. Après cette vente, on a commencé à voyager pour découvrir d'autres manières de vivre, des manières de vivre plus écologiques, plus solidaires, où les gens passent du temps ensemble, en bonne entente, plus inclusifs. Et donc, on a pendant un an découvert des alternatives. Ces alternatives, on les appelle généralement éco-villages ou éco-lieux, mais on a vu plein de modèles différents. Et à la fin de cette année, on s'est rendu compte d'un simple constat, c'est que ces lieux étaient ouverts qu'à certaines populations. Ce n'étaient pas les lieux de mixité, d'inclusion sociale, ni d'intégration dans les territoires qu'on pouvait imaginer. Nous, de la même manière que Sévac et Xavier, avec Aymeric, on a voyagé à la rencontre des personnes, des gens qui vivent autrement avec la nature, en groupe, dans des éco-villages. Avec Aymeric, ce qui nous frustrait au bout d'un moment dans le voyage, c'est qu'on se rendait compte qu'on ne pourra jamais habiter dans ce genre d'endroit, ou en tout cas dans beaucoup d'années, si on économise beaucoup, parce qu'on n'a pas du tout les moyens de s'y installer. Et ça nous a ramené à quelque chose de plus général, où on s'est dit, si nous, on ne peut pas s'installer, alors qui peut s'y installer? Parce qu'on n'est pas non plus les personnes les plus démunies en France. Aymeric et moi, on s'est dit, ça, c'est vraiment quelque chose qui ne nous correspond pas. Jusqu'à ce qu'on rencontre Sévac et Xavier et l'association Amolégé, et qu'on se rende compte qu'on avait les mêmes constats. On fait un petit tour de réactions, commentaires. C'est-à-dire les aider à acquérir des matériaux, des outils pour construire leur maison, pour tout un tas de choses. Le nom. En terminant notre voyage, on a commencé à travailler sur notre propre projet de création d'écolieux. Et c'est au même moment qu'on a rencontré l'association Amolégé, qui s'était donné pour objectif déjà depuis 2017 de faciliter la création d'écolieux réalisés avec des habitats réversibles, c'est-à-dire avec des maisons sans fondation définitive. Concrètement, ce sont des habitations mobiles, type tiny house, des habitations transportables ou alors démontables, comme des maisons en kit, ou enfin encore des maisons compostables, des écolieux accessibles financièrement au plus grand nombre, et pour finir, des écolieux bien connectés au village qui accueille l'initiative pour apporter le maximum de dynamisme, de jeunesse et d'effervescence dans le village. Au fil du temps, on s'est aperçu, mais pas que moi, mais plein d'élus se sont aperçus que la problématique pour avoir des jeunes dans le pays, c'était les loger. Les loger où et comment, à quel prix. Si on veut réussir à rester dynamique dans ce pays, on doit installer des gens. Et on doit les installer, pas forcément à coût de 300 000 euros, mais plutôt à coût de 20 000 ou 30 000 euros. Je pense que là, on pourra les installer, ils pourront vivre dans notre pays, et ce sera les futurs Ardéchois dont nous avons besoin aujourd'hui. Mon rêve pour Amolégé, c'est qu'il y ait de plus en plus de Amolégé qui se créent, qui soient super bien ancrés dans le territoire dans lequel ils sont, que les personnes s'y sentent bien et que les personnes qui accueillent ces Amolégé, les communes qui accueillent ces Amolégé, se sentent aussi bien avec ce nouveau quartier qui arrive. Aujourd'hui, notre besoin principal, c'est de rencontrer des villages, des communes rurales, intéressées, motivées pour accueillir de telles initiatives. Pour le reste, on est assez confiant parce qu'on voit qu'il y a énormément de familles et de personnes intéressées et les énergies sont déjà dans l'association et on a confiance pour l'avenir. Et puis surtout, il ne faut pas avoir peur des gens qui travaillent, qui réfléchissent, et qui vous amènent, qui vous expliquent des choses parfois qui sont surprenantes. Et je pense qu'il faut les rencontrer, surtout il faut les rencontrer, il faut discuter avec tous ces gens qui ont des propositions à faire. Voilà.